Coucou, nouveau vlog, c'est pas vrai, putain, c'est pas vrai, c'est les travaux, franchement ça commence à me, ça fait 3 semaines, il y en a au moins pour plus d'un mois, ça gonfle. Ce matin, je vais en profiter, je vais aller faire des courses, je vais peut-être me changer, j'ai ressorti Serge, le, j'avais eu où celui-là, Serge Lama, je l'ai eu chez Kiabi, il y a 2 ans de ça je crois. Je vais aller faire des petites courses ce matin, d'appoint, franchement. Vous entendez? Ça fait donc 3 semaines facile qu'il y a des travaux en face de chez moi. Et hormis le bruit que ça fait, comme il est sur le toit et moi là-haut, ma chambre, j'ai pas de volet roulant. Enfin bref, c'est-à-dire que des fois j'oublie, je sors de la douche, il est en face. Si je veux... Donc bref, faut faire attention tout le temps. Et vu l'avancée des travaux, je pense que dans un mois, il y a encore. En train de me taper une nouvelle migraine. Non. Et j'ai fait des photos avec Serge Lama. Il faut vraiment que j'aille parce qu'il est 11h. Et j'aurais aimé y aller, revenir avant qu'Eric rentre du taf. Bouge ton... Mais j'ai pas énormément de choses de toute façon à prendre. Genre sur la liste, il y aura 8 choses, donc ça devrait être bon. Je suis prête. Oh, fait son. J'adore ce pull. Je trouve hyper original. Bon, il est pas hyper chaud, il est limite en plus crop top. Mais ça va faire l'affaire. Oh là là, ça me gonfle cette migraine. Il passe ses journées. Alors je pense qu'il y a le côté hibernation, il fait froid, blabla. Mais il passe ses journées à dormir. Quand c'est pas là, c'est juste à côté. Tu dors toute la journée sans Jackie. Et en ce moment, vous savez ce qu'il fait? Alors c'est trop mignon. Le soir, quand je suis en train de bouquiner, donc en général, lui, il dort au pied de mon lit ou alors il dort pas dans la même pièce. Et là, il fait tout le tour du lit. Il vient au niveau de ma tête. Il ouvre les draps et il vient se blottir contre mon ventre comme un bébé. Et il reste peut-être 20 minutes parce qu'à un moment donné, moi, je bouge, donc ça le saoule. Mais il me fait craquer. Oh là là, c'est trop mignon. Changement de programme, je suis sur une chaise. Je suis en train de regarder tout en haut de mes placards. Attends, je mets de l'eau. Parce que je devais partir, j'ai eu 2 coups de fil professionnels. Donc, bon, laisse tomber, quoi. Je ne serai jamais rentrée quand, pour Eric. Donc, j'irai après manger. Et là, je suis en train, j'ai envie de me faire, je sais pas si... Manger des féculents, vu que j'ai la migraine, je sais pas. Je vais me faire des pâtes. Je vais les chauffer d'avance. Parce que j'ai quand même plein de trucs à faire. J'ai une grosse journée, donc j'ai envie d'être bien. Et j'ai qu'une hâte, vous savez quoi? C'est de boire mon café après manger. Je viens de faire une story aussi sur Insta pour expliquer que cette année je pourrais pas faire les vlogmas, mais je vloggerai quand même. Parce que bah, pas le temps, faire une vidéo par jour, ça sera juste pas possible. Parce que j'ai tout le temps des imprévus, des coups de téléphone, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est parfois des coups de téléphone qui durent très longtemps. Si tu veux faire, je pourrais pas gérer. Bon, c'est pas bien grave, hein, franchement. 1059. Eric est parti au boulot, j'ai mangé mes pâtes. Il m'a même fait un petit massage là derrière la nuque, parce qu'à chaque fois que j'ai la migraine, c'est là, c'est derrière. J'ai bu mon café, bon, on va voir. Je suis complètement claquée, je me suis dit, écoute, va faire tes courses maintenant. Sinon, il y a de grandes chances qu'après, j'ai vraiment plus l'énergie. Donc là, je suis devant chez Lidl, parce que ce que j'ai à prendre, c'est pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Et je sais, bah, les surgelés, les fameux que j'aime bien. Des endives, des conneries comme ça, quoi. Du café, par contre, j'ai un doute. Est-ce qu'il va y avoir le café qu'on prend? Bon, je reprends après. Si on m'avait dit que je prendrais du plaisir à aller chez Lidl, je commence à avoir mes petites habitudes. J'ai même hâte de voir s'il y a des arrivages en surgelé. Et clairement, c'est la très bonne heure. 13h, parfait. Oh là là, je connais ça. Je vais pas le prendre, hein, parce que c'est blindé de sucre. J'aime trop. C'est une coque de chocolat et je crois que dedans c'est un peu comme de la guimauve, je crois. Hein. Ouais, marshmallow, chamallow, truc comme ça. Oh non, 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 ça c'est bon, des petites. Oh là là, ça a l'air trop bon. Concentre-toi sur les surgelés. Je vais aller voir, mais je ne pense pas que mes petites purées, c'est pas des purées, sont revenues. Les écraser, voilà, écraser de pommes de terre. Aux noisettes. Par contre, c'est pas grave parce que il y a plein de celui-ci qui est quand même très bon. L'écrasé topinambour, légumes anciens, ça passe, ça passe. Je trouve ça cool de mettre ces lunettes de soleil en décembre. Ma migraine est toujours là et dès que je rentre à la maison, je bois 1 litre d'épar. C'est plein de magnésium parce que j'ai la paupière qui fait tout. Ça joue peut-être dans la migraine. J'ai trouvé
Bon, j'ai fait un petit plein de courses, 40 et quelques euros, j'ai trouvé que c'était très correct. Ça fait plusieurs fois que je passe devant, c'est du pain d'épices avec du chocolat, mais je ne sais plus si j'aime le pain d'épices. Je crois pas. Mais j'ai pris en petite version, en petit modèle, comme ça, si j'aime pas, c'est moins grave. De toute façon, il y a Eric. Mais vous allez voir, ça me donne envie. On va le goûter ensemble, enfin, vous avez compris, en rentrant. Même si c'est pas terrible pour ce que j'ai, hein, le sucre, un peu le chocolat quand t'as une migraine. Mais comme je vais boire 1 litre de magnésium, ça va équilibrer. Hein ? Bon, j'y vais, j'ai des surgelés. Je suis de retour avec ma super tête en vrac. Je vous montre les surgelés d'abord. C'est quand même mieux avec ces nouveaux éclairages. Bon, bah, j'en ai pris 3 sachets. Hein. Super bon. Très, très bon. Ça, effectivement, vous m'aviez dit, c'est très farineux. Au début, c'est surprenant parce que oui, c'est plus épais. Mais j'aime beaucoup. Moi, ça passe très bien. Glace à l'eau. Ensuite, qu'avons-nous ? Du cresson. Donc, ah merde ! Origine Espagne, ils sont sérieux. J'ai vu France, moi. C'est le conditionnement qu'il y a en France. Ah là là. Bon, bah voilà, super. Pouf. Bref, j'ai repris mes endives. Celles-ci viennent du Pas-de-Calais. J'ai pris 3 briques de cette soupe moulinée de 7 légumes. Hyper bonne. Ça, pour un midi. Céréales bio, les croutons. Bon, je sais que c'est pas terrible, hein, c'est dé, c'est très grave. Mais... Maman, elle est fatiguée, elle a mal à la tête. Écoute, écoute ta mère, s'il te plaît. À ta place. Merci. Bon, pour ce sac, c'est terminé. Du lait écrémé, parce que le lait entier laisse tomber le même demi-écrémé. C'est pas digeste. Ça, ça passe bien. Le café, il n'y avait pas exactement celui qu'on veut. Bon, celui-ci, il est un peu plus fort, il est 6. C'est le Longo. C'est surtout pour le matin. Les sacs poubelles. Donc il y a le lien coulissant, la base, c'est parfait. La troisième soupe. Ça, pour le midi, j'en ai pris 3 paquets. Il y a moins de sel. Et le fameux que je vous disais, qui me donnait envie. Une petite la barquette comme ça. Avouez que ça donne envie. Donc chocolat, pain d'épices, zeste d'orange, confit. Je vais goûter, je vais faire une croque tout de suite et je vais vous dire. Après, je sais que c'est propre à chacun, les goûts. Et également, donc il y a du sopalin aussi et des compotes. Je vais me fâcher, j'ai pas l'énergie là. T'es au courant? Alors, ça me fait penser, je sais. Oh, on dirait... Oh, ça a l'air bon quand même. Verdict. C'est hyper sucré. C'est très prononcé en... Enfin, l'épice. On sent légèrement le zeste d'orange ou d'agrumes. C'est bon. C'est bon, mais voilà. C'est très, très, très sucré. Mais c'est bon. Bon, super. Je dois repartir. Faut que je gère un problème avec les impôts. Enfin, le trésor public, parce qu'ils ne sont absolument pas joignables. Putain, j'espère qu'ils sont ouverts. Je file. Eh ben, ça commence bien. Exceptionnellement, le trésor public a changé d'endroit. Bon. Ça va, c'est pas trop loin. Je vous reprends. N'oubliez pas ta bouteille départ, Caro. Bon, bah, je suis rentrée du trésor public qui était fermé. Il y avait un panneau disant que c'était jusqu'à 12h30. Bah, j'irai demain. Sans faute. Ça me perturbe. Ça me perturbe. C'est pénible. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y est pour rien, le gars. Vous avez vu la tête des Vlogmas? Sans rire. Ah, je suis pas d'humeur aujourd'hui. C'est cette migraine là qui me tape la tête, j'en ai marre, ça me saoule. Depuis le temps, je devrais avoir l'habitude. Ce matin, j'ai reçu 2 petits produits d'une marque. En fait, c'était une dame avec qui j'ai échangé. Il faut que j'aille ailleurs, c'est pas possible. Il faut que j'aille dans une autre pièce, là, vous allez pas m'entendre. Elle fait des cosmétiques, il y a un sérum, une crème de jour, et je voulais voir avec elle ce qui était possible de faire. Oh putain, pour éventuellement la box, même si je mets pas énormément de cosmétiques, mais je suis assez exigeante sur la qualité des articles, vous l'avez vu, hein, que je mets dans mes box. Et j'aimais bien le packaging, voilà. Et puis la compo avait l'air très très chouette. Donc ça n'ira pas dans la box parce qu'au niveau du budget, ça n'ira pas. Elle n'a pas de budget com. Elle ne peut pas faire vraiment de réduction. En fait, il y a un prix public que tout le monde achète. Il y a un prix professionnel.
Et bah moi j'explique qu'il faut un prix box, mais en général ça se passe très très bien. Et elle a été très sympa, elle m'a dit moi j'aimerais bien quand même vous envoyer nos deux produits phares en fait. Enfin moi j'ai choisi ces deux produits-là. Je vous montre et puis je vous ferai un retour d'ici quelques semaines, hein, une fois que bah, je les aurai moi-même testés. Il s'agit donc de la marque 2021 Artisan Cosmétique. J'aime beaucoup sa petite carte bio, locaux Montalivet. Et elle m'a donc mis la crème riche, donc crème qu'on peut mettre le soir évidemment parce que c'est très très nourrissant, mais également elle m'a dit que en crème de jour, même si tu te maquilles derrière, il n'y a pas de souci. Je fais de la sophrologie. Et le sérum jeunesse, je vais chialer dans 2 minutes. C'est les nerfs. Donc le sérum, et j'ai hâte de découvrir les deux, de tester les deux. Sur ce, je crois qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Après, ça peut basculer. Vu dans l'état dans lequel je suis, je vais peut-être dire des conneries. Donc, on va arrêter là. Je vais. Ah, j'en. Si je. Ah, ouais. Je vais faire un truc, les gars. Mais vous verrez peut-être ça demain ou après-demain. Je l'ai dit, je ne fais pas les vlogmas, mais je vais essayer de vlogger un petit peu plus, ce qui est déjà très, très bien. Je vous laisse. Un gros bisou et merci de m'avoir supporté, d'avoir supporté ma très bonne humeur du jour. Ciao à tous.